Connaissez-vous les dossiers d'Ed et Lorraine Warren? Vous en savez peut-être quelque chose grâce à la série de films The Conjuring. Et vous savez sûrement que ces films sont basés sur des faits réels. Bienvenue dans les dossiers Warren. Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode des dossiers Warren. Comme vous l'avez vu dans le titre, nous allons parler du premier exorcisme à avoir été enregistré sur bande vidéo. Vous verrez les images plus tard dans la vidéo. Si vous êtes sensible aux séances The Cult, je vous conseille d'arrêter la vidéo maintenant. En 1990, Ed et Lorraine Warren durent intervenir dans ce qui pourrait être le cas de possession le plus terrifiant de leur carrière. Il s'agit de la possession de Maurice Thériault. Maurice était le fils de fermier francophone qui habitait dans le Maine aux États-Unis. Son enfance fut très difficile. Son père était violent et il le forçait à travailler dans la ferme pendant de longues heures. Un jour, il avait même surpris son père en train de se livrer à l'impensable avec un animal dans la grange. Et il força le pauvre garçon à se joindre à eux. En grandissant, Maurice développa des talents particuliers. Il avait une force extraordinaire et savait des choses qu'il n'avait jamais appris. En 1975, son père tua sa mère d'une balle dans la tête avant de mettre fin à ses jours. En 1985, Maurice, âgé de 51 ans, vit avec sa femme Nancy et leurs enfants dans le Massachusetts. Il avait la réputation d'être un homme doux et était très apprécié de ses voisins. Cependant, quand il restait seul avec sa famille, il arrivait que son regard changeait brusquement et Maurice devenait mauvais. Il le disait lui-même, il était habité par un esprit qui le poussait à la violence. Au printemps de la même année, Maurice fut la victime de phénomènes étranges. Du sang qui coule des yeux, des croix qui se dessinent sur son corps, et j'en passe. Il devenait de plus en plus violent. Il menaçait les membres de sa famille, les frappait, crachait et parlait de meurtre et de suicide. Conscient qu'il était dangereux, Maurice ramena lui-même toutes ses armes à feu à la police locale. Les Nancy étaient catholiques. Rapidement, ils prirent contact avec les Warren qui envoyèrent un de leurs assistants, Paul Walukiewicz. Après une nuit d'information, Paul informa Ed que les saignements n'étaient pas de nature médicale. Il était bel et bien possédé. Ed et Lorraine ainsi que leur neveu Tony décidèrent de se déplacer et ils furent témoins des phénomènes. Ils avaient même aperçu Maurice soulever l'avant de son pick-up le temps que son fils change les pneus. Les Warren décidèrent d'appeler la police car un drame pouvait survenir à tout moment. Les policiers furent également témoins des saignements et lorsque le chef de la police en alla, Maurice le regardait par la fenêtre en ricanant. « Ce salaud ne m'attrapera jamais. S'il essaye, je le tuerai. » L'évêque Robert McKenna entendit parler du cas de Maurice et affirma qu'un exorcisme formel était la seule façon d'éviter une tragédie. Le prêtre effectua 3 exorcismes sur Maurice dont le dernier qui se révéla être spectaculaire. Le prêtre se rendit chez les Thériault et commença à exercer le rituel du démon, un rituel extrême en matière d'exorcisme. Au cours du rituel, Maurice demeurait impassible, mais son visage se transformait d'une manière terrifiante. L'exorcisme a eu lieu le lendemain de la fête de Pâques en 1985. Un exorcisme formel était la seule façon d'éviter une tragédie. Cet exorcisme est le premier rituel du genre à être enregistré sur bande vidéo. Sa peau semblait brûlée et des cloques apparurent sur sa joue. Une profonde plaie s'ouvrit sur son front et ses pupilles devinrent comme celles d'un serpent. D'un coup, ses yeux se mirent à rouler et Maurice perdit connaissance. Les Warren déclarèrent que l'exorcisme était une réussite, et cet exorcisme fut le premier à être enregistré sur une bande vidéo. Pourtant, peu de temps après, Maurice fut accusé d'agression sexuelle sur sa belle-fille. Maurice n'avait aucun souvenir de cela et l'idée d'être coupable le torturait. Ed avait compris que Maurice n'aurait jamais commis un tel acte. Maurice était encore sous le contrôle d'une identité. En 1990, Ed reçut un appel inquiétant de Nancy. Maurice était redevenu menaçant et les saignements avaient repris. Un jour, Nancy rentra chez elle après s'être absentée. Soudainement, Maurice bondit par la porte de la cuisine, un fusil à la main. Quand il s'approcha d'elle, Nancy empoigna le fusil et ils se battirent un moment. Maurice frappa Nancy avec la crosse, puis elle sortit en courant de la maison pour chercher du secours. Pendant sa course, une balle l'atteignit au bras. Maurice se précipita et la força à entrer et s'asseoir juste en face de lui. À ce moment-là, il lui dit « Tu te souviendras de ça ». Maurice essayait de mettre l'arme dans sa bouche. Il la bougeait comme s'il se battait contre quelqu'un. Finalement, il l'a mise dans sa bouche et a tiré. Sa tête a bougé d'avant en arrière et son corps a reculé. La seule chose que Nancy put dire à ce moment précis fut « Amen ». Aucune explication n'a pu être trouvée pour expliquer les divers phénomènes dont il fut victime. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve bientôt pour un nouveau dossier Warren.